Bonjour Vaudet. Ça reste un peu fort, non? Nous sommes sur la découverte de God Simulator 3. Merci à Kimeller pour la clé, au fait. Je le dis jamais, ça, quand j'ai la clé. Je vais le dire un peu, quand même. C'est sympa. C'est gentil. On peut jouer à manette. Je pense que je vais jouer manette. Alors, on a quand même une musique qui est folle. Elle rend déjà chèvre. Oh, excusez-moi. Je refais plus, désolé. Commande. Bon, on laisse tout comme. Par contre, graphisme, c'est important. Poids de CPU, poids de GPU. Ah, on peut choisir le poids de notre... Ok. Maîtresse en bordure, ça c'est cool. Pas qu'en vertical. Je sais jamais, ça. Ça sert à foil. Oh, punaise. Attends, j'ai cru que... On a vu un... Une sorte de delta plane voler derrière la chèvre. Là, ça revient. Et qui vient de se casser la gueule. J'ai cru que c'était une remonte. Pourquoi pas. Oh, je peux mettre en très haut. Je monte très haut. Non. Épique. Oh, je peux être en épique partout. Des flous de mouvement désactivés, ça c'est très bien. Ok. Ok, je suis en épique. Attention, ça a pas déconné. On a notre chèvre qui est là. On est le joueur qui est là. Alors je voilà, je suis toute seule à voir le jeu. Parce que bizarrement dans mes amis, il n'y a que moi qui me suis intéressée à God Simulator. Bon non, en fait je savais pas qu'on pouvait jouer à plusieurs. Let's go. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais mais je pense juste on va faire un peu nawak. Oh punaise, il y a un lore. Hey, you're finally awake. Oh non, putain. C'est la parodie du réveil dans Skyrim. Safety first, you know. 10 and 2 and all that. Anyway, this is the premier to give you all the backstory. Regardez, c'est exactement comme dans Skyrim. Exposed, as they call it. Most movies and games do this a lot, actually. But you might not even have noticed it half the time. Oh, look, pigs! Where was I? Oh, excuse me, but... I've seen things before this intro ends. Don't have too much role left. Look, we're almost there. Ah, cette chèvre, elle est déjà exceptionnelle. Okay, so, where do I begin? Tu m'as tenté de capturer à cause de ta réputation. Tu as mis Bougville et Chef City Bay dans un sacré état. Oh là la pertinence, mais regarde-moi cette chèvre. Not sure how much of that is true, though. A lot of copycats or copy goats popping up here. Tu as beaucoup d'imitateurs, tu sais. Ils veulent tous se voler la vedette. Et tu sais, derrière nous, tu vas partir à présent. Ah, c'est moi, tu viendras la meilleure chef de tout le temps. Tu vas me transformer en milliardaire. Rien n'arrêtera notre duo du tonnerre. Ou trio, ou voiture. Tu décides, si tu décides de jouer en multijoueur. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore cette parodie, ça déchire. Par contre, c'est un peu fort, je trouve. Hein. Ah non, je vais pas passer, non, non. Mais attends, la musique est encore trop forte là. My finger. That thing is your home from now on. I heard some rumors online that j'ai des rumeurs sur les forums. J'ai tour des chefs servent d'entrée vers un lieu spécial. Ça paraît un peu exagéré sur mon avis. Tu devrais peut-être y aller. Prends-moi juste que tu iras voir la tour une fois que cette intro interminable sera finie. Honnêtement, je sais pas pourquoi tu l'as pas encore passé. Si t'es toujours là, rien de récompense. Des récompenses. Maintenant c'est fini la parodie Skyrim. Va voir la tour des chèvres. Oh putain, le quatrième mur il s'en prend plein la gueule.
Un grand coup de massue dans la chetron. Bon. D'ailleurs, il y a une vidéo parodique, enfin, une vidéo à la con de comment ils ont fait les animations des chèvres avec le motion capture. Avec un humain qui imiterait une chèvre. Enfin, c'est que parodique, hein, mais c'est voilà, c'est toujours le même délire, quoi. J'adore comment elle se déplace. Synchronisé. Attendez, je fouille la tour avant. Je sens qu'il va se passer des trucs. Ah putain, mon voix R. Oh, ça me saoule. Voilà, synchronisé. Qu'est-ce qui se passe? Château chèvre. Entrez chez toi. Waouh. Ah, c'est un donjon. Mais c'est un lobby en fait. Après j'ai synchronisé, est-ce que ça veut dire... Ouais c'est ça. On va voir. Ou alors ça va être comme dans Mario, il va falloir que je fasse des tableaux. Et chaque tableau ce sera une tour de chèvre. Mais punaise on voit rien à chaque fois ici. À cause de ce putain d'arbre. C'est horrible. Attendez. Trois coups de boule donnés. Faut que je donne des coups de boule. Oh mais l'horrible, horrible arbre hein. Lécher et traîner. Je peux lécher. Ah, je peux accrocher les trucs avec ma langue. Ah ouais, ouais, c'est ça, regardez. Ok, j'apprends. Coup de boule sur Philo 7. Qui? C'est qui Philosage des objectifs? Je vais mettre la musique plus forte. Là c'est bon là. Bon je vais là. C'est dans ton jeu le bruit de l'échouille? Oui c'est pas dans Minecraft. Je me fais scanner. Oh, c'est trop classe. Oh, je m'emballe peut-être un peu, mais c'est classe, j'aime bien. Recevoir sa première récompense. Ah oh, ouais. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai des objectifs à accomplir pour pouvoir ouvrir cette porte. Ok. Ça me fait rire. Et voir une chèvre avec son petit casque, ça me fait... Mais t'es sûr, les chèvres ont une société secrète. Ah mais c'est bien pire, ils ont même un culte et tout. Je parle pas le Cult of the Lamb, ça c'est le culte des moutons et des agneaux. C'est compliqué. Château chèvre, ouais. Oh putain, je fais un truc de ouf là. Je vois même pas. Oh, j'ai un pouvoir. Attention, je concentre mon pouvoir. Attention. Oh la vache. Je gagne des points, j'ai des coups de boule sur verre, coups de boule sur table. Ouais, c'est violent. Ok.
Ah, je peux pas. Bon, et ça c'est quoi? Absorber le savoir. Ah, on va absorber le savoir. Let's go. Instinct désormais disponible. Collection. Instinct. Ah d'accord, j'ai des petits défis. Faire un salto arrière, machin, machin. Ok. Utiliser LS en maintenant LT dans les airs. Ah ouais, en fait il y a plein d'objectifs avec les cascades et tout. Bon, on fera ça après. Là déjà je découvre le monde là. Oh, elle est trop heureuse ma petite chèvre. Allez, je me tire. Putain, tiens. Les questions, consulte. Non mais ça va, je vais bien. J'ai shooté une poule. Allez, shooté. On va shooter un cochon. Oh. Regardez, il y a un pouvoir. Je suis tort. Uniquement disponible en multijoueur. Mais faut trop que je joue en multi à ce jeu, moi. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, relève-toi. Ah, maintenant, je suis une chèvre de feu. Et j'aime bien la meuf en mourant. Not my new jeans. Ah, faut peut-être que j'arrose, attendez. Merde, non, mais j'oublie les touches. Ah non, c'est pas ça. X. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut que je mette du fertiliseur. Après que crier, et hop, ça fait une fleur. C'est ce qu'on m'a toujours dit, je vois pas de... Ouais, à peu près... À peu près ça. Il est où le fertiliseur à votre avis? On va essayer de fertiliser. Enfin, pas de manière dégueu. Ah, il est là! Ah, il est tout bugué lui. C'est le cri de la chèvre que je fais. Oui, je vais l'avoir. Je l'ai pas eu. Ah merde, ça je l'ai pas eu. Bon, je vais recommencer ici. That's the goat. Exactement. Mais ça va jusqu'où comme ça? Il y avait un truc à récupérer, c'était où? Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas comment j'ai fait, j'ai fait un truc, je sais pas comment.
Ça va pas marcher? Ah voilà, j'ai eu peur. Ouais, je fais un fausse rodade mes deux chèvres. Bon, ok. Alors, y'a quoi ici? Oh, tracteur! Je peux prendre le tracteur? Regardez la moisson. En direction de l'échelle? Quoi? Ah mince, mais ça gêne ça! Comment je fais pour utiliser les tracteurs? Normalement, je suis sûr que je peux. Attends, mais il y a écrit. Direction de l'échelle pour grimper. Bah, je marche en direction de l'échelle. Mais ça me fait pas grimper, c'est normal? Et les plantes. Mais je veux bien, mais le jeu il me. Allez chez moissonneuse. Mais non, mais je comprends pas. Comment je monte sur la moissonneuse batteuse? Grimper aux échelles. Ah mais d'accord, ça m'a. Ah oui, c'est ça pour c'est pour cette échelle. Mais je m'en fous de ça. Moi je veux ça. Moi je suis sûr que je peux utiliser, mais j'ai pas la technique encore. Faut peut-être que je l'assemble. Ouais, ça doit être ça. Attendez, on va monter à l'échelle. Hop là! Il y a des bruits de trucs qui brillent. Cette goutte a des super powers. Oh, tout à fait. Quand elle court, elle se gratte le cul. Ouais! Oh! Massonne-moi ça. Oui, je veux, je veux! Let's go. Comment on fait? Ouais! Ah non, je veux pas être. Non, mais je veux. Non, mais ta gueule, arrête! Je. Sors! T'es con, c'est Kiev, faut que tu conduises, on est que seul. Elle est trop bien, ma chérie, regardez comment elle est calée! Alors, activez la moissonneuse. Les os! Faut que je m'occupe des plantes. Merde! Elles sont où les plantes? Un trampoline. Oh ah, c'est pas une plante ça. Ah, pêche au gros! Pas gentil pour la madame ça. Non mais j'ai. Je vais y aller après à la pêche. Je vous doutais bien que. Ah, c'est peut-être là-bas. Oh merde! J'ai explosé des trucs, je crois. Il semblerait qu'il y ait eu un petit incident. Ah, oh, c'est peut-être ici! C'est bon, je moissonne. Mais là, je moissonne pas, là. Qu'est-ce que ce genre? Là, je moissonne pas du tout, là. Mais ça dégoûte. Je fais juste nawak. Pourtant, je fais vraiment tout pour pas faire nawak. Ça se voit, non? Allez. C'est bon, on peut sortir. Attention, tu pousses reda. la pêche! On va à la pêche! Attends. Alors, on va pêcher. C'est ici, il pêche au gros? Oh, une voiture! Une voiture, ça pollue! C'est pas sympa! Méchante! Je peux voler le véhicule! Hey Grink!
Pêche au gros, restez subtil. Ah, faut que je reste subtil. Oh, ça, ça va, ça. J'ai écrasé quelqu'un avec une Mercedes. Je vais mettre un peu plus fort les bruitages pour qu'on entende les hurlements de chef qui sont quand même géniaux. Quoi ce jeu? C'est God Simulator 3. Ah merde. Bon, je descends de la voiture. J'arrive pas à descendre. Comment on fait? Ah, faut que je fasse un ragdoll. Ah non, là je fais un turbo là. Je peux peut-être sortir en vrai de l'eau. Bon, c'est pas grave. Bon, il y avait pêche au gros. C'est-à-dire qu'il y a de la pêche quelque part. Ça va pas, non? Pourquoi tu fais ça? T'es méchant? Non. On pêche au gros, mais je vois pas de canne à pêche. Hein. Mais écrit restez subtil. Voilà, en haut à gauche là. Pêche au gros, restez subtil. Est-ce qu'il y avait besoin de le préciser? Et toi, content de ma chèvre? Oh, tu caches un truc! Tiens! Bon, d'accord, t'as de la chance. Ok. Oh! Une ruche! C'était une pomme! Oh! Oh wow! Fruit interdit! Vengeance du Tout-Puissant! Mais pourquoi? C'est pas cool! Tiens! Il se venge du Tout-Puissant! Club privé, achat de l'équipement! Oh! Mais c'est trop... il se passe trop de choses! Je suis sûr qu'il faut que je l'amène quelque chose, quelque part, mais je sais pas où. Là, je visite, hein. Après, on fera les... Faut que je fasse un saltoir hier. Ah, j'ai pas réussi, mais j'ai fait une petite explosion avec mon cul. Oh là, je fais un salto. Hop. Parfaitement gracieux. Oui, Crink, mais... Ah, c'est pas une licence si récente que ça, hein. Le premier était déjà comme ça. Y pourquoi? Ouais, je pouvais faire Y à proximité de quelque chose et ça faisait quoi? Des lignes électriques. Oh! Attendez, je peux... C'est-à-dire que je peux peut-être monter là? Oui, je peux. Je peux glisser. Ah, ah. Je ne sais pas ça. Quoi? Oh non, il y a le doigt du dieu. Il y a le doigt du dieu. Pas bah, cool. Tiens. C'est le tout puissant qui vous bénit. Je n'y suis que son Didi. Tu fais là? Coup de boule à Patrick Anton. Et lui, c'est qui? J'ai fait un coup de boule à Nick Famsey Junior. Nick Famsey Junior. Oh. Les silences! Tu veux nous rendre Kiev? Déjà fait. Ah, nouvel événement intrusion. Quoi? Regardez la vieille! Elle est trop vénère! Mais arrête! Oh la vieille! Oh la vache, elle me fait trop mal! J'arrive pas à la voir! Tiens, je t'ai eu! Méchante! Oh, ça m'a débloqué ça! Let's go! J'y vais tout de suite. Oh non. Une tourelle. Faut que je vais être plus fort. La musique.
Exactement. Je l'ai léché apparemment. Oh là là, ça va être dur, ça va être dur. J'ai pas d'armes là. J'ai même pas d'éclair. Oh, j'arrive pas à m'enlever. Non, 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 j'arrive pas à m'enlever. Ah non, presque deux. Voilà, c'est bon. Je me défends, je me défends. J'ai trop d'éléments en même temps là dans mon écran. Pour faire des dégâts venus des temps anciens. Ok, je fais un dégât venu des temps anciens maintenant. RB. Ça vient des temps anciens dans ta gueule. Les temps anciens dans vos gueules. Elle est sur mon dos la vieille. Mais par contre elle prend la place hein. Et puis ça vise pas bien là. Trop chiant. Oh mais j'ai gagné une vieille. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est les vieillines. Qu'est-ce que je fous de ma vieille sur... Oh. Il y a des images où on s'attend pas à les voir même dans le jeu vidéo en fait. Celle-ci en fait partie. Bon, un coup là-dessus moi. Bon allez. Bon bah je vais me promener avec ma vieille et puis on va faire d'autres trucs. Si vieille que ça la dame, oui c'est vrai hein. C'est vrai qu'en fait c'est une mi-vieille quoi. Je me fais kiffer du coup, je viens me poser. Du coup tu joues avec des potes ou pas? Parce que pour ça que j'ai... Oh, je suis tombé. Lève-toi. Parce que j'ai vu qu'il y avait un multi. Je peux vraiment marcher sur les murs et tout, c'est fou ça. Pêche. Je vais me débarrasser de ma vieille moi. Je peux pas? Ah oui. Ah, c'est complètement con oui. Ça c'est oui oui. Effectivement. Je sais pas comment je me débarrasse d'elle. Par contre elle me gêne en fait. J'ai eu plein de trucs. D'accord. Il faut que je fasse la pêche au gros, mais en fait le problème c'est que il y a une vieille dame sur moi et je sais pas comment m'en débarrasser. Ah ouais d'accord. Bah j'enlève. Voilà, rien. Ah ça fait du bien. Il faut que je... Pardon. Excusez-moi. Oh. C'est de la dynamite. Je vis bien, j'ai bien la dynamite moi. Ok. Moi je balance tout moi. Je suis un peu dingo. Oh, je l'ai trop bien visé. La pêche au gros elle était où? On était juste à côté, je suis pas folle. Ah là-bas peut-être. Oui.
je crois qu'il y aurait un gros truc dans l'eau qui viendrait essayer de me bouffer. Ça aurait été trop bien. Ah, c'est ça la pêche au gros. Ok, j'ai compris. Ouais, j'ai pêché des gros trucs. Non, non, arrête Dieu, c'est chiant. Oh, il m'a gratouillé les papates. Il est sympa. Ok, j'ai réussi. Ah non, pêche au gros, restez subtil, c'est pas fini. Ah, faut que je le fasse plusieurs fois, j'ai compris. Mais merde, j'ai utilisé toute la dynamite que j'ai croisée. Grave, y'en a d'autres là. En fait, à force d'éjecter tous les déchets, l'eau elle baisse. Ouais, pêche au gros. Il faut sauver l'Aquaman. Faut sauver l'Aquaman. C'est un poisson. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je suis Aquagoat. Peigne de sirène, nouvel équipement. Qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, c'est ça la fureur de l'Aquaman. J'envoie des tweets. Le pouvoir le plus bruyant que j'ai jamais eu. Tiens. Bon. My only friend, the end. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah oui, c'est chèvre. Du coup, je l'éclate. Bon, je peux envoyer des tweets. Bien. Hein. Ah! Ok. Ne m'attendez pas à ce que ça explose si vite. Mais on est dans God Simulator, je devrais m'en douter. On peut monter à ce truc-là rouge, je vais voir. Attends, pardon, excuse-moi. Hop là. Je suis le cochon. Non, pas toi en fait, c'est mon bro. C'est Mystéro! Méchante en fait, je suis une chèvre, je suis pas méchante, je suis une chèvre. Oh waouh! Je suis une chèvre qui fait des. Qui fait du Splatoon. Un peu aux échelles. Oui, 2 secondes. Il y a rien d'ici. Je vais rebaisser la musique puisque je l'avais mise pour la parodie de Doom là, qui était trop cool, mais... Ah, c'est baissé du tout. Ah! Pardon! Déconne, je suis pas du tout désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On fouille un petit peu, tiens, on va aller un peu par là. Comment tu vas? Tu vas convertir en chèvre? Je joue à un jeu où il y a une chèvre. Je sais pas si c'est une question de conversion après, là je suis plutôt athée quand même. Et le booter de spectre! Faut que je descende, comment je descends? Mais c'est gentil là, ils sont pas gentils. Impressionne les juges. Comment j'impressionne les juges moi? Est-ce que...
Est-ce que si j'ai un autre... Oh, je peux être une girafe. Oh putain, moi j'ai une girafe. Je peux être un Tony Squall. Il a 30 000. Oh bah super, j'ai débloqué du coup le Tony Squall. Je suis un requin sur un skate. Ah, j'ai eu la deuxième place quand même. Je sais pas comment, mais ok, succès. C'était joli. Une chef keep up. Bah, on peut avoir un requin maintenant. Il fait. Ok, bon, alors le requin n'est pas le plus maniable qui soit, je dois avouer. Ah, mais du coup, j'ai un petit prix parce que j'ai impressionné les juges. Trop fier. Impressionné les juges. Ok, ça ils aiment bien ça. Ok, faut que je trouve un pouvoir qui les impressionne. Non, non, arrête! Ah, peut-être que ça... Attendez, comment je change ce qu'il y a sur mon dos? Faudrait que je trouve autre chose. Peut-être en étant un perroquet qui danse et qui chante. Bon. Je vais me prendre une autre chef puisque celle-là elle est chiante. Enfin, c'est pas une chef du coup, c'est un... C'est un requin marteau sur un skate. Tout le côté pas très, très pratique. Ah, il me faut autre chose que ça. Je vais garder ça. Peigne de sirène. Couronne de fleurs. Ah, ça va peut-être les impressionner ça. Ça, c'est rare, ça. L'ancêtre d'un filtre, du filtre Snapchat. Let's go. Je vais tester. Ah, une noix étrange. J'avais pas vu. Mais ça fait rien. Hop. T'inquiète pas, les points de scène, ça sert pas à grand. Je peux pleurer pour ça. Alors... Dans un pays, le code pénal déclare illégal tout contact avec les extraterrestres. À ton avis, où est-ce donc? Ah, j'ai pas la ref, Diakine. J'ai la ref de KDO, mais pas celle-là. Bon, moi, je vais garder mon truc, hein, c'était bien ça. Hein. On va peut-être essayer de débloquer d'autres trucs dans le genre. Blah. Sur ces États-Unis, oui. Tout à fait, c'est le code pénal américain. Il déclare illégal tout contact avec les extraterrestres. Tout à fait, bravo! T'as trouvé du premier coup, quoi. Bon, en même temps, j'avoue. Chapeau en alu, nouvel équipement. Oh, ça fait rien, les chapeaux en alu, c'est nul. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Parce que la map a l'air un peu grande en fait, hein.
Moi, je peux pas piquer de vélo. Moi, je veux trop faire du vélo. Oh non, je veux trop faire du bateau, en fait. Oh, il m'a pêché. J'ai 8 ans, excusez-moi. Si la NASA arrive à établir un contact avec des aliens, c'est en toute illégalité. J'avoue. Oh, la montgolfière, j'avais pas vu. Bah, attends, on va voler une voiture pour y aller. Elle est où la voiture, elle va repasser? Oui. Ah! Ça va pas non? Chauffard! Allez, relève-toi! Oh, je me fais éclater! On fait quelque chose toi? Je vais me venger. J'ai écrasé Alexis Anders quoi. Ça dégoûte. Ah mon golfier, arrêtez par où? Arrêtez par là. Arrête. Ouais. Pardon, désolé, j'ai pas fait exploit du tout quoi. Ah j'ai écrasé Ruby Steven, ça dégoûte. Ah. Merde. Vous allez aller par là. Oh non! J'arrive pas à la remettre à l'endroit. Ah si, c'est bon. Ah! J'avais réussi pourtant. Bon allez, on va reprendre une et on va essayer d'aller de faire un tout droit sur la rampe. J'ai un peu raté. Arrête-toi, tu m'énerves là à être là. Tu aurais pu, dis donc. Super. Oh, l'atterrissage tout pétaxe. Ok. Voilà, ça va. On a réussi à minimiser les problèmes. Oh, c'est tout. Oh là là, comment c'était tout pourri. Non mais... What? Oh le bug! Oh non! Je vais ramener sur le droit chemin. Ah! Bon, on va y aller à pied, la montgolfière, d'accord? C'est bien aussi de marcher. Hein? This is the end. Allez, on y va en marchant! Elle est où? J'ai trop explosé dans tous les sens. Allez, là-bas. On y va. Oh, on est dans les quartiers cool. Attention, une chèvre. C'est affreux. Ah, je pouvais glisser. Oh, l'atterrissage est pas ouf, quand même. Il y en a qui me trouvent trop mignonne et d'autres qui disent c'est le pire jour de ma vie quand ils me croisent. Comme dans la vraie vie en fait. Et c'est ça. J'ai une casquette à l'envers. Oh, je fais trop partie de votre gang.
Désolé. J'ai un petit peu d'électricité statique là, c'est possible. Qu'est-ce que c'est ça? Oh ouais, bon basket. Y'a faute. Trop long. Oh, j'y arriverai jamais. Mon golfier, on avait dit hein. On y va. Ouais, il t'adore ce quartier, trop bien. On va à la Palomas. Oh putain, une robe de balle. Oh, avec mon cul de chef dans ma robe de balle. Oh, non, j'ai abîmé ma robe de balle. Is a choice. Ah mais elle a une énorme radio à la main, elle s'en rend même pas compte. Fais quelque chose meuf. Là mon golfier on avait dit. Ouais allez je vous promets. Ah le requin. J'avoue on va mettre le requin. Ah, mais est-ce qu'il peut avoir la robe? Corps, il n'y a pas. Alors que si je prends la chèvre, il y a corps. Avec le requin, on peut pas le mettre dans une robe. Je suis déso. Faut qu'on gagne des sous pour se prendre la girafe, là. Oh, c'est beau, on peut avoir des ailes trop stylées. Plus tard. Je vais mettre ça. Découvre aux chevilles. Oh, je vais prendre celle-là. Elle est bien. Les deux sont bien. Je prends celle-là un petit peu. Oh putain, je peux jouer sur la couleur quoi. Je vais la prendre bleu. Non, je vais la prendre. Oh jaune, j'aime bien. Let's go. Ok. Oh, trop bien quoi. Et non, malheureusement, le requin, on peut pas le foutre dans une robe. Désolé. Avec ça, si le jury n'est pas impressionné, je comprends rien. Alors, je me disais aussi. Mais je vais attendre de débloquer d'autres objets encore. Et on fera des tests après. Ouais, oh. Oh, ça va pas, toi. Les gens sont trop fous, là. Hein. Faut les calmer. Bonjour. D'accord, c'est donc ça. Prétention artistique. Ah, faut que je fasse des rebonds sur l'eau, je pense. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il a fait le bruit d'un ballon de baudruche quand il gonfle. Est-ce que c'est bien d'être une chèvre? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Ah, je dirais que c'est surtout beaucoup de bêlements. C'est assez... Oui, ça va, en fait. En fait, oui, c'est bien. Il fallait que je fasse ça? Non. Faut que je fasse autre chose. Oh, je sais, faut que j'aille sur les... Ah oui, faut que j'aille de bourre en bouée. C'est bon, j'ai pyjax. On y va. Mais un centre commercial, là, derrière nous, non? On va pouvoir défoncer un centre commercial, c'est ça que vous me dites? Trop génial. Ok. J'ai compris. Non! Le vélo. Et c'est pas vernis, mais non. Je suis tombée tout de suite. Et elle met du vernis, mais non. Faut que j'aille là-bas, faut que j'aille là-bas. Mais ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? C'est chiant. Allez, saute. Quoi ça? Toi t'as une couronne, moi aussi j'ai une couronne. J'ai aussi une couronne. Je pique ta couronne et je me tire, espèce de nul. Ah mon golfier toujours. Hein. Mais d'abord on va au centre commercial. Ah mais c'est pas un centre commercial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un endroit en tout cas où il y a ça, donc c'est bien.
Oh, si, un petit peu, hein, c'est un Ikea là. Oh, j'ai plus ma couronne. Ah, oh, ça, c'est de la déco, ça. On peut rien faire ici, on peut rien faire dans le Ikea là, on se fait chier comme dans un vrai Ikea. Mais on n'a pas des petits crayons. Voilà, je crie et je m'en vais. On est à Zweka. Kaka, Zlaga, Kaka. On est un bon endroit. Allez, on va glisser. J'ai dit, allez, on va glisser. Contribue à la sculpture. Ah, oh, c'était où ça? Mais je fais trop de choses en même temps là. Hein. J'irai après. Je retournerai de toute façon sur mes pas. Dans cette zone là. Mais t'arrêtes de gueuler toi? Une pierre dorée. C'est vous, je suis occupé. Oh, c'est ça. C'est pour moi. Parfait. Wow, it's a goat. Oui. I can't believe it. Wow, c'est une chèvre, je peux pas y croire. C'est le migou. C'est quoi le migou? Prouver l'improuvable. Big feet. Ah, faut que je trouve big feet. Big feet upset me. Ah, faut qu'on trouve une preuve de l'existence de Big Feet. Big, de voilà. Big Foot, machin, quoi. Oh, je l'ai libéré. Non, ça brille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a éjecté. Une taupe m'a éjecté. Putain, il n'y a pas que les chefs qui sont dangereux, hein. J'aime ton poncho du Messi. Je suis pas de poncho du Messi, mais d'accord. Stop là. Warning. Let's go. Amour des arbres. Ah bah moi j'ai... Oui. Sauf les arbres des sales hippies. C'est où ces enfants et les hippies? Oh mais c'est ça que j'entendais. Ah. Vas-y taupe. Presque, presque, presque. Presque, presque, presque. Merci taupe. C'est trop ma bestar. Oh mais y'en a une autre là, bah dis donc, y'en a partout. Ça me fait des thunes, on va pouvoir acheter plein de trucs. Et là, c'est quoi ça? C'est les saletés de hippie, ça. Non, 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 attends, attends. Ah, ça va. Ok, du coup, faut que je trouve des arbres. Oh! Oh, bah, ça, je vais bien les sauver, les arbres. Là, faut que je trouve des arbres où il y a un hippie dessus et que je t'éclate la tronche du hippie. Tiens! Pareil des hippies! Oh, il a pris une photo avec moi. C'est sympa. Bon, j'ai sauvé un seul arbre, mais je les trouve pas les autres. Ça m'énerve. Je vois rien. On va monter comme ça. Ah, mais j'attends encore briller ici. Parce que les babioles, c'est ce qui me donne des sous pour acheter de nouveaux skins de fou.
C'est donc, y a donc rien de plus utile, en fait. Bonsoir Alicia. Merci beaucoup pour le follow. Mais y a pas eu deux alertes? Je les ai pas réactivées depuis hier, bah je pensais. Mais si, normalement. Trop bizarre. Sur cet écran, en ce moment, j'ai pas d'alerte, je sais pas pourquoi. Je vais décocher tous les trucs. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Ou alors, je l'ai pas entendu. Mais je pense qu'il y en a pas eu. C'est... En ce moment, c'est souvent. Bon, allez, faut qu'on libère les armes. Si j'arrive à en trouver des armes. Oh. La grotte est sombre. 360 avec cri d'ours, ok. Oh la vache! Oh non, je suis obligée de tout me retaper. Je vais en voiture. Ah oui, il faut que j'aille, fallait que j'aille à Syrie pour protéger les arbres. Et oui, bien sûr. C'est mon klaxon, écoutez. J'hésite à acheter le jeu, donc je regarde ce que ça donne. Bah écoute, je pense qu'il serait... Je conseille peut-être de voir avec, avec des potes aussi pour y jouer. Parce qu'il y a certains trucs que tu peux que faire à plusieurs et tout. Et je pense que... Je pense que vraiment l'intérêt du jeu... est plus grand si on joue avec des potes. Comme là... Attends, c'est quoi ça? Disponible en multijoueur, voilà, typiquement. Et certains jeux, certains trucs, c'est juste certains events ou je sais pas quoi qu'on peut faire qu'en multi. Une bouée chèvre? Mais non, c'est pas une bouée, c'est qu'elle a une robe, ma chèvre. Bon, alors comment je protège les arbres des hippies là? Ils sont où les arbres? À protéger. Je vais aller vers la forêt. Genre par là. Oh, la montgolfière. C'est ça mon objectif à la base. Mais j'aurais faire le truc des hippies quand même avant. Oh non, j'aurais dû rider. Ça doit être les arbres qu'il y a là-bas. Oh, j'arrive pas à sauter. J'arrive à rien. Oula, j'ai entendu briller. Allez, monte. J'ai réussi à l'éviter. Hein. Meilleur jeu 2022 après les canards en plastique. Exactement, totalement d'accord. D'ailleurs, ça tourne toujours en arrière-plan, hein, mon jeu des canards. Ah là y'en a un. Hop là, voilà, je protège les arbres. Un second. Attends, attends, non pas maintenant. Ça va, j'ai été éteinte. Ok, j'ai sauvé deux arbres. Faut que j'en trouve d'autres. What? Quelqu'un qui... Ah là, c'est prouver l'improuvable. Il faut prouver que Bigfoot existe. Moi, je voudrais faire le truc des hippies parce que ça s'avère facile. Hein. Mais là, je l'ai plus, l'événement des hippies. Pas facile, hein. À comprendre. Ah, voilà. Ah non, mais non, ça arrête pas de changer. Je vais revenir là où il y avait peut-être des arbres à sauver. Genre là-bas. Il y en a un là. Ok. On n'a plus que deux à faire, je crois. Regardez celui-là. Plus de plaisir à sauver les arbres ou à taper les hippies.
Ah, j'ai un peu l'impression d'être Cartman réincarné en chèvre. Je crois que c'est toujours tout ça qui me fait plaisir. Ok. Dégage. Bon, on va suivre le chemin et on va voir si on croise des hippies. La montgolfière, c'est ça mon objectif, mais oui, il y a trop de choses à faire. Attendez, et par là? Non, on y est déjà allé. Oh putain, c'est à chaque fois! Ah, je crois que j'ai vu un arbre à sauver peut-être. Oui, là. Et le principe est déjà tellement con. De taper des hippies pour sauver des arbres. C'est quoi ça? Absorber le savoir, let's go. Deux hôtels distincts. Ah! Ça fait des sous tout ça? On peut être chèvre mais matérialiste hein. Je vais continuer à monter, on va voir si... Il n'y a pas le dernier hippie. Je pense pas. On va voir. Oh punaise. Oh. Ok. Big brother. Putain, trop bien! J'ai ce rond avec moi! J'ai ce rond avec moi! C'est trop bien! Vous aussi là. Ah mince. Mes alertes sont en double parce que je voulais être sûr qu'il y en ait. Merci pas assez diffuseur pour le raid, des bisous. Oui je vais sauter, mais des Oda. J'ai trouvé tous les mecs dans les arbres. Non il m'en manque un, ça me saoule. On récupère l'anneau. Oh. Est-ce qu'on va récupérer l'anneau? Quelque chose me dit que ça va être chaud de récupérer l'anneau. Et moi je trouve pas. Ouais il m'en manque un. Tout à fait comme toi. N'a jamais trop prudent. Mais ouais tout à l'heure j'ai pas eu toutes les alertes. Alors on m'a follow et j'avais pas d'alerte. Y'a un truc au-dessus qui brille. En fait si je crame c'est pas grave. Oui voilà on s'en fout. Voilà là-haut, je m'en doutais. Est-ce que je vais t'éjecter assez haut? Oui. Ok. Je vais voir si par là je trouve des trucs. Je comprends hein, la physique de la chèvre, mais on se démerde. Hein. Il fait quoi ce rond? Il a même pas de pouvoir? Ça dégoûte. Il manque un enfant à l'épi! Alors ça faut pas y aller sinon l'ours me hurle dessus, il faut que je remonte tout, c'est chiant. Vous croyez que ce rond il peut impressionner les jurys du concours de talent? Oh, on peut faire comme multi. On dirait que les alertes merde chez tout le monde en ce moment. Effectivement ça me rassure ouais. Mais on m'avait déjà dit ça la dernière fois, ça fait depuis plusieurs jours. Ça va Mitu? Qu'est-ce que vous faisiez de beau du coup? Je t'ai même pas demandé. Tout cela. Allez. Utilise ton parapente. On peut utiliser son parapente. Le con quoi, n'importe quoi.
Il y a un Uber Eats. Attends! Je vais m'envoler, mais avant, je veux voir ce qu'il y a là-haut. Dégage. C'est quoi le doigt? C'est Dieu qui me punit. Le poisson. C'est quoi le poisson? C'est un nouveau monde ça, c'est ça? Wow. Wow. Oh my god. Je vais rentrer. Avant de m'envoler, je veux voir ce qui se passe ici. Arrête! Ah, toi t'as une chèvre et un poisson aussi. Ah oui, tu parles. Bah moi j'ai un requin. La colonisation terminée comme Assassin's Creed. Ah non mais c'est même pire hein. Oh c'est trop stylé! L'intro c'est juste une parodie Skyrim. Pour le moment j'ai fait aussi tout un truc qui était un Doom-like. Non, c'est... Il y a 1 million de parodies. C'est pour ça qu'on aime ce type de jeu. Alors oui, des fois, elle me gratouille le ventre, la main. Et des fois, elle m'aime bien. C'est parce qu'en fait, j'ai arraché le fruit défendu. On voit une énorme pomme dorée qui pendouille un arbre. Mince. Le trône de fou, petit trône en plastique là. Et du coup en faisant ça, et ben j'ai attisé la colère divine. Ok, on débloque des trucs, on débloque. J'ai toujours pas comment faire un salto, mais. Mais ouais, pour le moment, moi, sinon, j'ai un autre animal. On va voir ce que ça va donner un deltaplane, d'ailleurs, mon autre animal. Oh, j'ai plus mon deltaplane. Attendez, je vais équiper ce qu'il faut. Si, je l'ai. Super. Le parapente. Ok. Attention. Let's go! C'est trop cool. Ah je l'ai pas eu. Comme ça je cherche les hippies en même temps. Oh le parapente. Dégage. Mais bon, il est immaniable le truc tellement la Xbox est immense là. Enfin, c'est pas la Xbox, c'est la sensation que la Xbox est immense, mais elle est sûrement pas immense, mais on dirait. Ok. On va regarder quand même si on trouve le dernier hippie. Hein. On va refaire le chemin. C'est un hippie ça? Non, c'est pas un hippie ça. Voilà. Écrit dans paramètres, comment faire un salto? Un flemme? Regardez les paramètres pour faire pour savoir comment faire un salto, c'est chiant. Mmh.
Je vois pas Salto. Mais les quêtes. Ah ouais. Maintenant LT. Utilise LS maintenant LT dans les airs. Ouais, j'ai réussi. Ah, il fallait que j'en fasse un arrière. Oula, doucement quand tu ouvres la porte, ça fait peur. Ah oui, j'ai fait un salto arrière. Ok, faut que j'épingle un instant. Je vais épingler un instant, après on va casser de la gueule au dernier hippie là. Mon copain il a ouvert la porte, ça m'a fait peur. Comment on épingle? J'entends briller ici. Y a un truc qui brille. Ah, je te vois. Ok. Le dernier hippie, let's go. Extra Flame Stimulator, tu dévalues 100% la première fois que tu lances le jeu. Baf, en même temps... En même temps, oui, j'avoue, flemme d'aller dans les paramètres pour savoir comment faire une action que le jeu pourrait simplement me montrer en direct, quoi. C'est le principe d'un tuto, normalement. Ouais, bah c'est ça, c'est que c'est en l'air. Je pensais qu'on pouvait peut-être sauter et faire un salto tout de suite, mais non, on peut pas. Faut forcément être en train de chuter, quoi. Non, mais ici, il y aura pas de hippie, hein. J'ai jamais su faire du menu. Allez! J'y arrive pas. C'est une des images les plus ridicules que j'ai jamais vues de ma vie. Je vais continuer avec mon skate, hein. Oh putain! Oula, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Pourquoi je m'envole? Je suis tombée! Bon. Bah mince, on est loin de tout là. Let's go! Dégage! Il me faut une voiture, ça. Il me faut une voiture pour faire le truc. Bon, bah, on s'éloigne des hippies. Et de la montgolfière, putain! C'était ça mon objectif à la base. Oh, je vais aller là! Je suis votre ennemi! Appropriation animale, exactement! Aïe! Mais des fois, il y a des trucs qui m'éjectent, je sais pas pourquoi! Il bat les poissons! Ils sont déjà morts, les poissons, regardez ça! C'est terrible! Ah d'accord, tout nul. Ça fait avancer de 100 km, ouais, j'avoue que le coup du vélo là c'était pathétique. Je savais pas comment ça marchait. Hop là, c'est moi qui prends sa place. Prends une photo, bon. Il y a une bevette là-dedans du coup, non? Ouais, à moi quoi.
Ok. Y a quoi par ici? Bah évidemment, y a un painting zoo quoi. Petite ferme pédagogique. Je vous libère! Oh là c'est quoi comme bête à votre avis? Oh c'est la girafe! Je peux la débloquer? Bon, faut que je l'achète, c'est chiant. Un truc qui fait du bruit ici. Ouais. Oh, j'ai un super équipement. Oh, de la thune. Ils ont fait un aquarium avec une orque qui est complètement kéblo. Reprends ta taille! Reprends ta taille! Ça c'est affreux. C'est vraiment affreux. Ah, il y avait un bouton à côté des chèvres. Attendez, j'y vais. J'ai coincé. What do you want? Ah oui, tu as raison. Oh shit, that goat looks angry. Oh, and next on our magical journey through the animal. Y'a pas un enclos à requins qui font du skate? Ouais, j'ai libéré, regardez comme elle est contente. Help us to find Rosie. Ah! Ah oui, regardez, elle s'est enfuie! Oh, y a un rhino qui s'est enfui! Oh, c'est trop stylé! Et il a fait caca! Oh, je peux. Attendez, je peux trouver Rosie en suivant les caca! J'étais dans le caca, du coup, mon truc il fait que des paix. Oh là-bas il y a un caca. Ça ne m'aide pas. Ah si là-haut, regardez là-haut. On va trouver Rosie. Ouais, Rosie est allée là-bas. Ok, elle est montée. Oh non mais mon requin il fait des proutes. Oh il est là Rosie. Regarde pas, j'ai t'aidé, Rosie! Mais... Ah, lève-toi! J'ai mis plein de coups de boule à Rosie, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Non, attends. Je vais casser ça, peut-être. J'essaie de libérer Rosie. Ah oui, l'or, faut que je l'emmène dans la mer, t'as raison. On va le faire. Je vais juste essayer de savoir comment je peux libérer Rosie. Et bah, comme ça. Ah, je fais que des roches, je fais pas exprès. Ah, attends, arrête! Ah, les braconniers, ils me tapent. Ah, j'ai acheté du pain, mais je vais pas acheter du pain. On me dégage. Voilà, j'ai acheté Rosie. Allez, sors Rosie. Je te libère. Ah, faut que je la ramène, je pense. Mais oui, c'est ça. Tout le monde dit que je pue parce que j'ai marché dans le caca de Rosie, mais c'est pas ma faute, c'est le caca de Rosie, c'est pas mon caca. Hein. Pardon, désolé. On arrive, on rentre à la maison. Et après on va s'occuper de l'arc.
Je vais prendre la chèvre après. Hein. La maniabilité avec le truc, je m'en sors pas. Et voilà. Oh, ouais. Regardez, je suis un rhino. Oh, peut-être que je pourrais être une baleine. Trop bien. Allez, viens. On y va. Viens, Billy. Je t'emmène avec moi. Allez, Billy. Allez. T'es coincé, Billy. Bon, attends, faut qu'on passe par ailleurs. Peut-être passer par là ? Non. Oh putain, je l'ai chopé au vol. Je vais très 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 loin. C'est le jeu, il m'a éjecté. Voilà. Freebly. La langue. Trop bonne idée. Let's go. Hein, je trouve qu'on a fait des bonnes actions là. Les étrons de Noël. Ah là, je me suis envolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas ma faute. J'ai rien fait. Ah, déjà c'est là, c'est de lumière. Bon bah il bouffe là. Ouais, et une heure qu'il est mort. On va plus vite, non? Oh, j'ai l'impression qu'on va très vite. Et c'est par là. Coscoin. Cosplay convention. Moi je suis un super cosplay, moi. Et tout est en violet. Oh ouais, c'est le truc de Captain Y. Création de personnage. Attends ta forme finale. Ouais, quand j'envoie le bouclier, c'est... ça m'envoie un peu aussi. Trop stylé. Change de fourrure. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme forme? Build your outfit. Ah, d'accord. Je vais mettre en chèvre. Tête. Je vais prendre le truc de sirène. Corps. Prendre ça, tiens. Retour. Ouais, ça c'est bien. Les pattes, c'est bien. Ah, une fourrure. Non, mais c'est bien ma fourrure de base. Et quand c'est bien. Ok. Porter un couvre-chef. Bah, j'en porte un là. Faut que je la porte à lui. Bon, je vais remettre un autre couvre-chef alors. Tête. Je mets un chapeau. Création du personnage. Faut sûrement que je fasse un truc pour créer le perso, mais j'y arrive pas. Je vais m'éloigner, il va me redire peut-être. T'arrêtes toi. Je sais pas comment. Peut-être les cornes, mais j'ai aussi les cornes, c'est juste qu'elles sont cachées par le couvre-chef. Non mais je pense qu'il faut que je les pose sur ça, mais je sais pas comment. Parce que bah à chaque fois ça sélectionne pour moi. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc avant? Maybe hein. Peut-être je vais faire un truc avec. Le rhino marche plus vite qu'un requin, ça me surprend. Non mais... Eh bon, d'accord.
Non mais je comprends la remarque. Ah, faut peut-être que j'apporte un couvre-chef de là, genre. Masque de Fury. Genre un masque de Fury, moi. Voilà, genre, il faut peut-être que je lui mette. Ah, c'est ça. Ok, apporter un corps. Oh, trop marrant. Ok, ok, on va faire ça. Oh, c'est pas mal, ça, peut-être. Oh, putain. Yo, Homer Simpson. Voilà, on a un corps, là. Porter une arme. Bah là, j'en aime. Je regarde s'il y a d'autres, hein. En vrai, on n'est pas pressé. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une arme, ça ? Aïe. C'est une arme, ça, non ? Ah non, ça a pas l'air. Ah si ! Porter un bouclier. Moi, j'ai mon mien. Je le garde, mon mien. Je te le donne pas. Bon, bah, bouclier, ça va être ici. Je vois pas de bouclier. Ah, ça, c'est un bouclier, ça. C'est la poêle. C'est la poêle de PBJ. Un bouclier. Oui, c'est un bouclier. J'ai créé mon perso, mais il est beaucoup trop bien, en fait. Remarquez-moi, Senpai. En vrai, il est bien. J'aurais voulu... Oh, regardez, du coup, il y a des fans. Oh, je suis trop forte. On pas les Fury. Et si. Oh, ça dégoûte. God Simulator. Et du coup, regardez, ils ont tous mon costume. J'ai trop fait une mode. C'est moi. Ok. C'était génial. Il y a un cosplayer. Bah oui, oui, c'est ça. Il y a des cosplayers. Maintenant, regardez, ils ont tous un peu ma dégaine, là. Ah, oh, je l'ai cassé, le gars. La greffure originelle, un peu, oui, effectivement, là, c'était... C'était pas volontaire, désolé. Faire 720 double salto avant ou arrière. 720, mais ta gueule, le jeu, espèce de fou. Bon, on va faire autre chose. J'adore mon arme, hein. Elle est trop bien. Truc d'occasion. Oh, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Je veux. Gagné. Elle a une grande canne à pêche. Dégage la police! Avec la chef toujours la tête dehors. Hein. Ah merde, je regardais le chat. Y'a un truc ici ou pas? Ah, désolé. J'ai percuté un SUV. C'est ça. Un ascenseur? Je prends. Bon, on peut s'envoler là, c'est bon à savoir. J'ai toujours mon... Ah bah non. Faudrait que je mette mon deltaplane. On va s'amuser là. Bon, ok, on va monter. Fondateur. Ramène-le. Ah, let's go. J'ai ramené le papa. Oh, trop bien déjà.
Faut que j'aille au bout de la canne, je sens, non? Ah, je sens bien. Je vais prendre mon deltaplane. Petite sécu. C'est quoi déjà? Retour. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah, disponible comme multi, ça se trouve l'événement il est disponible comme multi aussi, le ramener le père. Wow. Jeez. Un truc à gauche de l'ascenseur. Ascenseur, bah, il est là. Y'a un mec. Ah oui là, bah oui t'as raison, mais t'as tout à fait raison bro. Je peux changer les gens. Ouais d'accord. Change-toi. Majestic. Change-toi. Ok, on va remonter. J'ai vu le making of de Cox Simulator, le dev qui faisait du motion capture de chèvres, oui, dans leur bureau. Ouais, ils ont fait un making of à la con où tu les vois en train d'imiter des chèvres. C'est rigolo. Bah c'est tout le délire info. Ils ont raison hein, de vraiment surfer sur la débilité du jeu, puisque c'est ce qui fait tout l'intérêt. Quoi. Ok. On avait vu un peu. Petite fashionista, ma chèvre là. On va être prudent. Et prudent. Non, non, c'est pas le moment. Ok, ça va. T'as comment un route du fion, la chèvre? Bah ouais, elle est contente. Bon, ça fait rien. Je suis un peu déçu, j'avoue. Peut-être un truc à faire, mais là, j'ai pas, là. Ça doit pas être comme ça qu'on le ramène à la vie, hein. Ah oui, peut-être que je remonte sur le bateau, mais bon, ça, c'est un autre truc. Moi, je voudrais déjà, avant de sauter et de pas pouvoir revenir facilement... voir si je peux le ramener. Parce que je pense que ça aura aucun rapport sauter sur le canot. Par rapport au truc ramener le père fondateur. Faut que je fasse un truc à faire. Des bisous par essai diffuseur. Bah on peut tenter le saut. Hein. Pas toujours ça de prix. D'accord. Je suis un petit peu... je suis légèrement déçu quand même. Je peux pas le cacher. Pour pouvoir remonter.
J'ai vu. J'ai joué ma life. Bon. C'était pour ça en fait le rebond. C'est pour essayer de choper ce truc. Mais je sais pas comment le ramener à la vie lui. Je sais pas si c'est lié à l'event multi peut-être. Très pratique le delta plane ou je sais pas quoi là. Le parapente là. Ah c'est un échec. Ah faut que je plane 30 secondes avec le parapente. Ça c'est vas-y là. Toujours pas aller dans la montgolfière. San Angora. Nous allons maintenant sous pression. Quoi? Attends, tu... Vraiment? Vraiment? Ok, faut que j'aide. Je sais pas comment. Ah, comme ça. Mais... Voilà. Oh! Mais il me cherche, lui! Le bâtard! Arrête d'être méchant! T'arrêtes un peu! Je pense qu'il faut que je le fasse avec deux autres joueurs, ça. Oui, non, mais t'inquiète, vous inquiétez pas, je vais trouver les trucs un peu. Ah, bah oui, possiblement. Je vais trouver les trucs, j'ai trouvé les trucs. Pas besoin de me dire. Voilà. Donc ça brille. Laisse-moi tranquille. Oh, il y a un véhicule de ouf là. C'est où qu'on entend briller exactement? Je dirais que c'est dans celui-là. Mais ça n'a pas de sens. Chaque fois que je fais ça, je veux pas. C'est dans celui-là, tout simplement. Ok, on va voir le véhicule qui est là-haut. Tu penses qu'amener les ouvriers, ça aiderait? Moi, je peux toujours, mais bon. Ah ouais, bien joué. Évidemment. Évidemment. On aurait dû se douter que ça finirait comme ça, hein, finalement. Mais oui, c'est clair. Pourquoi je m'étonne, moi? Pourquoi je m'étonne? Ma voiture a fait n'importe... Hey, tu fais n'importe quoi, toi, hein. Moi, quand je conduis, je fais mieux, hein. Je veux juste monter, là. J'ai oublié où était le véhicule un peu stylé, mais on va trouver. Ah, il était là, je crois. Oui.
Non. Attends encore un petit peu. Voilà, là, c'est bien. Faut que je tombe dedans. Oh mince! Qui c'est? Ça a l'air sympa. On va le remettre sur le droit chemin. Voilà. Je pensais que ce serait la Batmobile. La Rhinomobile. Ah, nouvel événement, la relève. Qu'est-ce que c'est ? Faire tomber les ouvriers de leur poutre. Oh bah super, mais c'est génial. Je peux faire ? Dans c'était quoi Roller Coaster Tycoon. Jeu de simulation de ah mais ils piquent mes véhicules et après ils font n'importe quoi avec. Non mais super, jeu où on pouvait créer nos parcs d'attractions, mais on pouvait complètement, surtout le 2, on pouvait complètement faire des trucs qui tuaient les gens. Bah les cris c'était un peu les mêmes. Je gagne, je suis un rhino. J'aime pas ce véhicule, il me saoule. Oh, magicien! Oh ouais! Se présenter à la présidence. Ah, c'est pas du tout un magicien. Oh, je peux me présenter. Attendez, je vais soigner mon look, attendez. Non, mais si on se présente à la présidence, faut qu'on soigne notre look. On est d'accord. Je pense. Attends, ah, je la vois pas. Attendez, je me suis mal placé. Hop, on va soigner notre look. Voilà, parfait. Ah, la chèvre. Peut-être le rhino pour le côté un petit peu on n'a pas peur, on fonce dans le tas. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Ah mais je peux pas faire beaucoup d'autres trucs. Peut-être l'œil de sauron en mode je sais ce que vous faites, je vous regarde. Pour les pattes, des petites bottines, c'est important. La fourrure du rhino. Je peux choisir sa fourrure, c'est trop bien. Rouge pour la confiance, hein. Voilà. Influence le vote. Ah oui, moi je suis du côté droite. Faut que j'amène des gens voter. Va voter. Toi le policier. Toi le caméraman, va voter. Ah merde, j'arrive pas. Toi le policier, va voter. Toi le policier, va pas voter. Ça dégoûte. Ah si, c'est bon. Non, toi tu vas voter, toi. Quoi qu'il tombe là? Attends, je me trouve des votants. Mais pourquoi le conteneur il retombe sur ma gueule tout le temps? Arrête, c'est rigolo. Vas-y, c'est rigolo un peu quand même. T'as voté toi? Ah. Oh non.
c'est bon, j'ai gagné les élections. Benny Vendi a voté. Je suis votre nouveau président. Président du monde. Ok, tout va bien. Ah, c'est Nazgul. Wouah! Le cercle du feu! Il me faut un deltaplane là. Le truc de Sauron il fait du bruit. Il est sympa mais il fait du bruit. On va reprendre autre chose. On va remettre une petite chef quand même parce que c'est quand même plus pratique même si j'aime beaucoup. Ah ouais, par contre ton truc de mer c'est important de le garder. Le corps on va mettre autre chose. Rien, pour le moment. Je vais prendre mon deltaplane, hein, mon parapente. Je vais arriver. Allez, bleu pour changer. Bon, il me faut une voiture. On est bien là-dedans. Bah oui. Tout ça. Prends un taxi. Terrible, terrible atterrissage quand même. Je pense que je peux faire mieux. Super greasy. Voilà. Le jeu est incroyable, hein. Je tiens quand même à le dire. Ah oui, là-haut. Je peux passer là ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je peux taguer peut-être. Oh, c'est beau. Rends l'art de rue. Ah, l'art de rue, sa gloire perdue. Ok, let's go. Art de rue restauré. Comment je fais? Ah, faut peut-être que je m'équipe avec un truc qui... Non. Ouais. Oh trop bien. J'avais peur en fait que le deltaplane, le parapente, je vais arriver, se déclenche. C'est pour ça que j'ai enlevé, je vais remettre. Non, je vais mettre ça, tiens. Ok. Alors faut que je trouve des endroits où il y a des tags, des débuts de tags, et que je remette des tags. On va voir déjà par ici. 30 balles le jeu quand même, oui quand même. Effectivement. Peut-être que si je monte... Oh, dans le parking, il peut y avoir de l'art à restaurer dans le parking, non? J'ai pas vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a vu qu'il vide. Alors. L'art de rue. Retirer quoi? Attendez, il fallait que je retire des trucs ici? Il y a un autre event? Je suis en ballonchon. Quoi? Oh non, je suis arrêté par la police. OMG, ça se fait pas, arrêtez. Ah! Faut arrêter. Mais si vous me tapez, je vous tape. Hein. Arrête! Pourquoi on me fait du mal? J'ai fait des tags ou parce que j'ai volé un baluchon? J'aurais pas ma liberté d'être un artiste! Voilà. J'ai rien compris. Ils ont arrêté leur présidente. Putain, j'avoue, ils oublient vite les élections, hein. C'est littéralement 35 secondes. Bon, un peu plus. 5 minutes. Mais j'arrive pas, je trouve pas d'endroit où faire de l'art là.
pris des dollars. Oh. Ah, du coup, il y a des chèvres partout parce que c'est moi le président. Je suis sûr que c'est pour ça. Ok. C'est toujours les chèvres. Ticket. Pour aller où après? Pour aller au Cinoche? C'est bizarre. Look, it's a goat. Hmm, it's a goat. Il y a les tickets, mais il n'y a pas ciné. Je voudrais trop trouver le cinéma, moi. Bah, c'est ici. Je veux pas y aller. What the frog? Non. That's a goat. Oh my god. Bon bah je trouve pas d'arbre restauré hein. Et un ski de chèvre pour Fortnite, ça me donne pas. Il y aura sûrement un clin d'œil à Fortnite dans, dans le jeu, tiens. J'en suis sûr. Ici hein. C'est ici. How dare you. Comme ça, how dare you. Voilà, bah au moins j'ai ouvert. Qu'est-ce que c'est ici? Ça me fait penser un peu à... à Watch Dogs. Oh, je vois rien! Utilise près des gens pour chercher leurs secrets. Putain, c'est ça, c'est, Watch Dogs, c'est comme dans Watch Dogs. Pardon, je vais arriver. Sosie de Morgan Freeman. Non mais n'importe quoi, chez Bradian Hunter, occupation coach de yoga nu, âge 44 ans. A trouvé l'Atlantide, mais personne n'y croit. Roger Rockstar PNJ, occupation spécialiste de la motivation des quoi? De la motivation pour les vrais hommes, 27 ans. Occupation exorciste pour ados. Refous ses instincts de vampire. Mega smoke. Logé. Occupation, c'est la personnalité privée, chasseuse de fantômes. C'est génial. Occupation, concierge du dark web. Bon, je recueille vraiment ces crottes de nez. Serpentard, bien sûr. Super joker. Occupation, fermier. Stream FIFA. Se fait stalker, n'en sait rien. Putain. Imagine plein de trucs et pense en faire une chanson. Cool bubule. Occupation disjonctée, 45 ans. Comme Charlotte, cool bubule. Occupation donne des cours de croquis en ligne à 10 euros. Fan de fruits exotiques. C'est très très rigolo. Occupation tueur à gage. Mon code 55. Merci de faire vérifier vos paramètres de pare-feu. C'est très très rigolo. Ouais, bah faudrait que je teste effectivement les trucs qui vivent ça. Avec les bouches de métro et trucs comme ça. Pour m'envoler, explorer. Ah oh, putain. Mais c'est tireur de sonnette bruyant derrière les barreaux. Ah! C'est qui les tireurs de sonnette bruyant? Je sais pas forcément où c'est. Ici? Ah, faut que je mette des gens derrière les barreaux en fait. En vrai, faut que je mette des gens au pif, c'est ça? Genre. Ah non! Genre la shérif killer. Hop, je mets derrière les barreaux et puis c'est marre. Ah non, c'est... Ah, faut que je cherche les bonnes personnes. Ah ouais, faut que je cherche les bonnes personnes, ok. Oh, c'est pas facile, hein. Wanted. Hey,
Go eat slug. It's you. Oh my. Okay, the force be with you. Agnès Evans. Pas cheveux au pif. Mais en vrai, elle, elle ressemble vraiment. Hein. Allez! Je suis sûre qu'elle s'en est une. Ça m'arrangerait vachement. Bon, je pense pas en fait. J'ai pris les premières personnes que j'ai croisées, c'est peut-être pas la... Peut-être la solution commune quoi, mais peut-être pas la meilleure. Par contre, pourquoi je suis très zoomée là comme ça, c'est très chiant. Je suis très zoomée, j'arrive pas à savoir pourquoi. C'est rigolo ça, moi, prendre nos choses. Voilà, moi je suis un peu plus loin. Ouah, je vais trop vite. Bon. Bah écoutez, en tout cas... En tout cas, ça m'aura beaucoup plus plu que ce que je pensais, le simulateur. Même incroyable ce machin. On va se mettre dans un coin sympa. Super, c'est Victor. Il y a du skin. Je me fais martyriser alors que j'essaie juste de visiter tranquille, là je fais même plus de dégâts là. Ah ! J'en ai marre de me prendre des containers dans la gueule. Ah ici c'est bien. Bon, écoutez, c'est là que je vais arrêter la vidéo. C'était oui, c'est ça, God Simulator 3. Et c'était très marrant. Des bisous.